Chers amis, je voudrais vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, notre paracha, paracha de Vayakhel. On aura aussi, après qu'on lit la paracha de Vayakhel, samedi matin à la synagogue, on va aussi sortir un Sefer Torah, donc on dira parachat Shkalim. C'est la première des quatre parachiotes qu'on lit le mois de Hadar, Shkalim, Zachor, Para et Kodesh. Chaque Shabbat, après la lecture, on rajoute encore ces morceaux. Il y aura un Shabbat d'arrêt entre Shkalim et Zachor, et après tous les Shabbatot, on lira ces morceaux supplémentaires. Shkalim, c'était rappeler aux Juifs d'amener le martit à Shekel au temple avec lequel on achetait l'argent des sacrifices quotidiens. Le sacrifice quotidien provient de tout Israël. Donc tout le monde donne un demi-cycle d'argent, un demi-shekel, et avec ça on achète les animaux pour les sacrifices. Il fallait que chaque année des Rosh Chodesh Nissan, on ait de l'argent nouveau, pas celui de l'année passée. Donc un mois auparavant, Rosh Chodesh Adar, ça sera dimanche et lundi ici, donc le Shabbat qui précède déjà, on rappelle comment les envoyés du tribunal rabbinique allaient dans tout le pays rappeler aux gens de donner le demi-cycle, et on lit dans le verset, dans la Torah, les versets relatifs au demi-cycle. Notre paracha Vayakhel parle encore de la construction du sanctuaire. Moshe Rabbeinu Vayakhel, il a réuni tout le peuple d'Israël, et avant de leur ordonner la construction du sanctuaire, il les ordonne à propos du Shabbat. Sheshet Yamim Te'aseh Malacha, 6 jours, l'action, les travaux seront faits. Voyez, Mashvi, Yelachem Kodesh Shabbat, Shabbatom Hashem. Et le 7e jour, vous aurez une sainteté, Shabbat Shabbaton, Shabbat de Shabbat, ça veut dire de repos, l'Hashem pour Dieu. Pourquoi est-ce que le début du verset, il est écrit? Il est écrit, d'abord, pourquoi est-ce qu'il est écrit? Tu veux me dire maintenant que Shabbat, il ne faut pas faire de melacha, pas faire de travaux, alors dis-moi. La fin du verset. Voyons, Mashvi'i, Yelachem Kodesh Shabbat Shabbaton Hashem. Le 7e jour, ce sera pour vous un jour saint de repos pour Dieu. Pourquoi rajouter les mots au début? Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. 6 jours sera faite toute melacha. Et si on ne veut pas travailler pendant les 6 jours, quoi, on est obligé? De plus, pourquoi cela est écrit au passif? C'est pas marqué « tu feras ta assez melacha » mais « te assez melacha ».« Te assez » signifie « sera faite ». Durant les 6 jours, seront faites toutes les melachot, tous les travaux. Pourquoi est-ce que c'est au passif et pourquoi est-ce que c'est écrit? Alors, première explication, on parle maintenant de quels travaux? On parle des travaux de construction du sanctuaire. Et nous apprenons dans le traité Shabbat, les 39 travaux qui sont interdits Shabbat, on apprend cela des différents travaux, les 39 différents travaux qu'il y avait dans la construction du sanctuaire. Or, Béné Israël n'ont pas pu faire le sanctuaire tout seul. Les anges sont venus et ont fait avec eux. C'est pour ça que c'est écrit au passif. Te'aseh Melacha. Les 6 jours, Te'aseh Melacha sera faite. Comment? Par vous, mais avec l'accompagnement utile et nécessaire des anges. Autre explication. Si, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, si pendant les 6 premiers jours, tu travailles, et Vayom HaShvi'i Yelachem Kol Shabbat Shabbaton Hashem, et le 7e jour, tu auras un jour de sainteté, de Shabbat pour Dieu, alors les 6 premiers jours, tu pourras travailler. Mais si Shabbat, tu fais des melachot aussi, c'est fini. Tu n'auras pas la bénédiction et tu pourras pas, le travail ne sera pas fait pendant les 6 jours. Ça veut dire, on peut aller travailler aussi les 6 jours, mais est-ce qu'il sera fait par Dieu? Nous, on veut la bénédiction divine. Alors, on nous dit au passif, 6 jours seront faits les travaux. C'est-à-dire, Dieu va venir, il va t'aider, tout ira très bien, grâce au Shabbat. Mais s'il n'y a pas le Shabbat, il n'y aura pas non plus les 6 jours où Dieu viendra et t'aidera. On raconte que le Hafetz Haïm, il partait de ville en ville pour vendre son livre. Et le Hafetz Haïm et son livre aussi, Mishnah Berurah. Puis, dans une ville, il est arrivé, on lui a dit, regardez, il y a un monsieur là-bas, il est très très riche, mais il travaille dans son usine Shabbat. Le Hafetz Haïm est parti seul le voir, essaie de le convaincre. Et il lui amène ce verset. Il lui dit, tu vois, si tu veux pouvoir travailler dans tes usines les 6 premiers jours, tu veux que la bénédiction divine, alors il faut que tu fasses le Shabbat. Sinon, bah, ça n'ira pas. Ce riche monsieur propriétaire a dit, non, mais je ne peux pas. Moi, je gagne des sommes faramineuses pendant le Shabbat. J'ai des dizaines d'usines. Si je ferme, c'est un manque à gagner terrible.
Alors, Samuel dit, mais regarde, c'est écrit dans la Torah. Voilà, si tu veux pouvoir travailler les 6 jours, il faut que tu fermes le septième jour. Il dit, je ne vais pas fermer mes usines à cause d'un verset, verset écrit dans le Roumage, dans la Torah. Alors, Samuel est extrêmement choqué de sa façon de parler. Bon, il a quitté. Quelques jours plus tard, il y a une descente du fisc chez ce propriétaire. Ils viennent dans une usine, c'était en fait une meule là-bas pour moudre du grain. Et le responsable du fisc, il glisse et tombe dans la meule. Et il est carrément broyé par la meule. C'était terrible. Maintenant, celui qui accompagnait le type qui est tombé dans la meule, il a dénoncé comme quoi le juif avait quelque chose pour que le responsable du fisc tombe dans la meule. Il était accusé de meurtre. Le propriétaire de l'usine a à peine eu le temps d'aller chez lui. Il a vite pris une valise pleine d'argent et il a fui. Il est parti en Pologne. C'était en Russie. Il est parti en Pologne. Il a changé de pays. Il arrive là-bas en Pologne, il ouvre son sac, il voit que c'est trompé. Il n'a pas pris le sac avec l'argent, il a pris le sac avec toutes les dettes que les gens ont envers lui, toutes les créances. Il ne peut rien faire avec cela. Et il s'est retrouvé pauvre, sans rien du tout. Sans rien du tout. Et voici qu'un Shabbat, dans un de ces hôtels pour personnes pauvres, le Hafetz Chaim vient. Il le reconnaît. Le type reconnaît le Hafetz Chaim, il vient le voir. Vous rappelez de moi? Je lui dis non. Le Hafetz Chaim lui dit non, je ne me souviens pas. Ben, c'est moi, j'étais le responsable de l'usine dont vous m'avez parlé. Vous m'avez cité un verset de la Torah. Si on fait le Shabbat, alors les 6 jours seront bénis. Eh bien, je ne vous ai pas écouté. Et voilà. Maintenant, je suis devenu un pauvre type sans rien du tout. Je suis un mendiant. Et j'aurais dû vous écouter. Voilà, chers amis, on a la sainteté du Shabbat extraordinaire, ce grand cadeau que Dieu nous donne. Prenons-le, grâce à cela on est béni dans tout, c'est la source de toute la sainteté dans le monde provient du Shabbat. Avec la sainteté vient la bénédiction. Je vous souhaite à tous un Shabbat plein de bonheur, plein de bénédictions, plein de présence divine dans vos maisons. Amen, ve amen, Shabbat shalom, au revoir.